Nico, on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Darksiders 3 où on est toujours et encore depuis des heures et des heures à la recherche de notre prochain péché capital à éliminer, où j'ai l'impression de m'être totalement perdu et de tourner en rond. Mais bon, bah au moins on voyage, ça c'est clair. Mais voilà, par ça. Non, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Là, c'est vrai qu'on voyage, on a vu pas mal de zones, mais j'ai vraiment, vraiment l'impression de totalement me perdre. Et en fait, de tourner en rond. Et là, du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller là? Parce que, apparemment je peux pas bouger quand je suis accroché là avec le fouet. Puisque je viens d'essayer, mais bon. Bah tant pis pour l'humain, c'est pas grave, on va pas passer des heures. Moi j'ai déjà bien assez à faire à chercher mon péché, mon prochain péché, que bon. On va pas s'embêter avec ça. Bah oui, bah, ah d'accord, par là. Comment est-ce que je fais pour monter là-haut? Parce que ça, c'est trop haut, hein. Je peux pas aller jusque-là. Si? Ah si! Wow! Je peux pas aller jusque-là. Et c'est tout. C'était juste pour ça. Ah là là, je trouve des secrets, des trucs comme ça, mais c'est chaque fois des cul-de-sac, en fait. Du coup, je sais pas où il faut aller. Hein. Apparemment, faut aller par là. Hein. Faut venir par ici, apparemment. Hein. Ah non, la tête de mort, elle m'a dit que c'est par là. Qu'est-ce que je fais? Bah elle m'a dit que... Non, elle m'a dit que par où? Bah elle est toute perdue, la tête de mort. Elle m'a dit que rien du tout. Elle m'a dit que c'est par là. Putain, comme ça, non? C'est pas comme ça. Ça aurait pu. Je pense. Ah peut-être, ouais, il faudrait peut-être essayer. Non, on l'a vu, la tête de mort, elle m'a dit que là au-dessus, mais je sais pas comment faire pour monter, en fait. Ouais, franchement, je suis totalement perdu. Je crois pas que j'arriverai à le finir pour Noël, vraiment. À part si je passe tout mon week-end dessus, mais... Je vois pas comment je pourrais finir ça pour Noël, quoi. La tête de mort, elle me dit que c'est par là. Elle me dit qu'il faut monter, en fait. Je sais pas comment faire pour monter. Oh, hein. Non, c'est trop haut. Je peux pas monter là, c'est trop haut. Éclat de frénésie. Il y a des ennemis qui m'attendent. Ah lui, il m'a vu. Par grimper là sur la plateforme, tiens, je viens de voir. Là, ici, on peut grimper là, non? Que c'est haut quand même. C'est vachement haut. Hein. Voilà. Là, je me suis cogné. Non, là, elle veut pas s'accrocher. Non, elle veut pas s'accrocher toujours. Là, je vais me cogner sûrement. Non. C'est pas.
Je suis totalement perdu, hein. Franchement, je sais pas où il faut aller. Ah oui, il y a ce machin là, putain, encore, je l'ai encore oublié. C'est vrai qu'il y a ce machin là. Bah oui, si je le revois jusque là, je pourrais monter. Oh, il me le faut absolument en fait. Il me le faut absolument. Ouais, je l'avais oublié. Donc faut vraiment que j'aille voir par là en fait. Tant pis pour l'humain, j'ai pas à risquer de retomber encore une fois. Bon là attention parce qu'il y en a qui sont en haut. Voilà. M'en doutais. Ok, bon heureusement c'est des ennemis assez faibles. C'est vrai que quand il y a deux ou trois ennemis c'est tout de suite la galère. Il y a des lumières rouges. Il n'y a rien ici. Pas de petits secrets. Ah. Vous trouvez une bestiole. Chose me dit qu'il faut venir se réenfermer. Ouais, parce que les bestioles elles doivent être là. Elle vient ici la bestiole là. Elle vient. Ah, c'est pas le même. C'est pas celui-là. Non, c'est juste là pour revenir de l'autre côté en fait. Voilà, donc pendant qu'il bouffe et qu'il se charge en énergie, moi je peux aller réabaisser la manivelle. Ouais. Pour faire... Ah, il y avait un truc là. Tant pis. Pour déplacer ce machin là. Et maintenant j'ai accès à ça. Bien, hein. Les petites énigmes comme ça, elles sont ultra simples. Mais bon. Attends, attends, attends. Ah, il y a la musique en plus. Bon, oui, c'était bel et bien une énigme.
y a la musique de Darksiders qui te dit ok, c'est bon, t'as trouvé. Donc du coup je peux aller par là. Du coup je peux aller par là. Ah mais par ici en fait. Il suffit juste de faire ça, j'arrive. Non, de l'autre côté là. Voilà. Et hop. Et qu'est-ce que c'était? Artefact démoniaque. Parfait. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ok. Ben voilà, c'est très bien. Ouais, ça pour ça, oui, c'est vrai que ça, on progresse, mais... les ennemis, par contre, c'est pas ça, hein. C'est vrai, contrairement à Darksiders 1, et surtout Darksiders 2, dans Darksiders 1, on l'a fait, il y avait que 4 ou 5 donjons. Dans Darksiders 2, il y en avait beaucoup plus que ça. Ici, il n'y a pas vraiment de donjons, en fait, mais... enfin, je l'ai déjà dit, c'est un système un peu à la Metroid, donc il n'y a pas vraiment besoin de donjons, c'est... Voilà, on progresse... alors, en fait, c'est tout le jeu qui est un immense donjon, quoi. Comme dans un Metroid, hein, c'est pareil, hein. C'est vraiment... C'est pour ça que je dis que ça reprend... Hein, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Parce que ça y ressemble, clairement. Ça y ressemble très clairement. Ah, je savais pas qu'il pouvait faire ça. D'accord, c'est nouveau. Ça, c'est des nouvelles attaques ou c'est des nouveaux ennemis, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Attaque-toi au lampadaire. Hop. Ah bah, il est tombé. Et il est mort. Avec le truc vert, ça tue instantanément même les ennemis. Hein. Il a vu l'esquive. L'esquive totalement ratée encore une fois. Ah, il est mort. Oula. Je n'ai aucun doute là-dessus, d'autant plus que tu es incapable de rester silencieuse. Qu'est-ce qu'ils étaient ? D'accord, évidemment, ils arrivent en groupe. Ils groupent d'ennemis, putain, mais regarde-toi, ils lockent pas le bon, t'es lock l'ennemi qui est devant toi, hein. Il est buggy ou quoi, le système de lock, là ? Faut locker l'ennemi qui est juste devant, hein. Ça le tue pas en plus. Putain! Mais esquive! Est-ce le navire dont Uziel nous a parlé? Il semble bien, oui. Ah, ce serait là. Peut-être qu'on se rapproche. Enfin! Enfin! C'est pas trop tôt, hein. On va quand même avoir des ennemis de temps en temps. Pas des boss, là, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas affronté. Mais... Pff. Oh, je foire toutes mes esquives, là, putain! Trop tôt. Oh la vache. Ah ça, quand j'ai pas le bon timing, j'ai pas le bon timing, hein, clairement. Mais bon.
Bon, vu le Grim était pas très loin, et comme on n'est pas obligé de refaire toute l'énigme, on pourrait remonter directement sur l'autoroute. Ça va. Ça va, ça Clairement, là, quand j'ai pas le bon timing, j'ai pas le bon timing, je foire tout, hein, clairement. Allez, go, reparti. Pas vu venir. Je vais le regarder s'attaquer à la voiture. Oh! Belle esquive. Magnifique esquive. Il est mort? Il est mort. Direct. Parfait. Ah non, il est pas mort! Potion. Alors le suivant. Parfait. Allez, on y va. Pas de temps à perdre, hein. J'ai perdu énormément de temps comme ça. Cool, hein. Temps de chargement juste devant l'ennemi. Ça c'est vrai, franchement, la technique ouais, ça, est largement critiquable, clairement. Mais bon. Mais bon, ouais, c'est compensé. Moi, j'aime bien la direction artistique. J'aime bien. Bon, les musiques, je les entends pas trop. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de musique. Mais non, le jeu est bien. Pff, putain. Le jeu est bien. Il est assez exigeant, visiblement. Il a un gameplay assez exigeant. C'est vrai que les Darksiders précédents étaient franchement très simples, voire même trop. Putain, mais esquive! Quoi, je suis... Monsieur Rieu, j'esquive pourtant, là, j'appuie sur le bouton. C'est... Ouais, c'est exigeant, hein. C'est clairement exigeant. Ouais, j'aurais dû mettre un compteur de mort au début. Parce que là, je sais pas combien j'en suis, mais ça doit être un nombre assez élevé, tout de même. Eh ben, et dire que je suis même pas. Je suis seulement normal, quoi. C'est incroyable. Ou alors c'est moi qui suis vraiment nul, hein, ça c'est possible aussi. Hein. Je me fais vieux, ça doit plus être trop mon truc, ce genre de jeu-là. Faut croire. Parce que là, sérieusement. C'est les réflexes, moi, qui ne vont plus très bien, apparemment. Hein. Bon, je suis plutôt jeune, après tout, hein. C'est possible. Hein. Ah merde, j'ai accro les deux. Oh putain! Super mal, vraiment. Je me demande bien à quoi ça sert d'améliorer
d'améliorer sa vie, parce que vu les dégâts que je prends, ils font super mal. Allez, cours. Largement. J'ai ma transformation, c'est déjà ça au cas où. Putain! Oh. Tu vises bien. Mais sérieux! Allez, au suivant. Allez, on y va. Cette fois-ci, je le tue instantanément. Hein. Trop tôt. Ouais, c'est bon, c'est passé. Trop tard. Prends une potion. Oh! Mais comment est-ce qu'il m'a touché, là? Je suis à côté. Hé! Hey, comment est-ce qu'il m'a touché, là? Trop tard, putain, pourtant j'ai appuyé sur le bouton. Pfff. Ah, j'y arrive plus là, j'ai vraiment plus du tout le bon timing avec lui. Ouais, il est mort. Par là. Ah, vu le grim. Ouf, au moins ça enregistre, c'est déjà ça. C'est tout, c'est tout, ça a l'air d'être tout. Salutations. Ceci sera très divertissant pour chacun de nous. Allez, encore un petit niveau. La marchandise, je vous ai toujours la même. Hein, bah. Comme vous voulez. Dégâts physiques, plus 45%. Les dégâts physiques sont infligés par toutes les attaques de base, carré ou triangle. Bah oui. La quantité de dégâts que peut subir Fury. Utiliser repos du néphilim ou les éclats de soins pour restaurer la santé. Bah et franchement, vu ce que je prends comme dégâts, on va améliorer ça. Allez, continuons, hein. Toujours à la recherche de cette tête de mort bleue là qui me nargue depuis je sais pas combien d'heures. Aidez-moi, pitié. Allez, Luma. C'est pas celui de tout à l'heure, parce qu'on n'est pas du tout dans le même bâtiment. Parce que tout à l'heure, je l'ai laissé tomber. Il y est toujours. C'est par là. Et là. Ah, il y a plein de grilles comme ça, plein de passages qui doivent s'ouvrir à un moment donné. Hein. Ça va être ces trucs-là. Hein. Ouais. Que là, il y a un passage. Ouais, je peux pas y aller. Ouais. Plein de passages secrets. Ah. Ouais, encore, hein. Ça va casser, ça? Bon. Pas grave. Ah si, secret. C'était bien. Ça me semble un peu bizarre cet endroit. Il y a un petit secret, ouais. Ah, un ennemi noir. Oula. Bon. Ça va, c'est ceux que j'arrive à gérer facilement, non?
Oh, je l'ai esquivé là. J'ai cru que j'allais prendre le coup. Hein. Ah, il me bloque. Bah, ceux-là, ça va, ils sont faciles. Hein. Ils sont vraiment très faciles, ceux-là. Enfin, c'est pas un problème. Il reste incandescent. Ah, c'est le truc qui me fait gagner un niveau immédiatement, ça. Oh. On va essayer d'en avoir gros juste un. Ah, ils allaient faire un à un. Oh, lui, il m'a vu. Ah! Ok. Eh bien. Parfait. Ouais, je me demandais ce que c'était ce truc bleu là, mais c'est un... C'est juste un saut. Ouais, je peux les avoir de... à distance avec ça. C'est cool ça. Ouais, du coup, j'ai gagné 3000 âmes. C'est bien. Je sais plus trop hein, combien j'en ai... J'avais arrêté l'épisode précédent. Donc là j'en suis à 2h02 de stream et je sais que j'ai... What? Non. D'ailleurs tes hurlements de terreur le bercent certainement. Oui, c'était du sarcasme. Je me demande lequel de vous est le pire. Oh, on se le demande aussi. C'est par là qu'il faut aller, hein, c'est par là. Donc je vais aller voir là, le petit secret. Ouais, je sais que le premier épisode, je l'avais arrêté à 40 et des minutes, à 47 minutes. Le second était bien 1h35. Ah, Vulgrim, c'est bien, ça va sauvegarder. What? Ah d'accord, je suis revenu. Ah bah, on a commencé la soirée ici. Donc, je sais plus à quel épisode c'était. Eh ben, oui, voilà, ouais. On revient en arrière. Donc, tout ce que j'ai fait, là, depuis 2 heures, c'est-à-dire repartir de là, partir dans tout le truc, tout ce que j'ai fait depuis 2 heures, finalement, c'était juste pour revenir ici, pour tourner en rond, hein. Mais c'est vraiment... C'est comme des... Ouais, c'est des immenses donjons, en fait. Le jeu, c'est vraiment un immense donjon, hein. Clairement, hein. C'est vraiment... Bah, c'est comme Metroid, quoi. J'ai encore le répété pour la 12 000e fois, mais c'est vraiment ça, hein. Ah, c'est tout, il n'y a pas de passe. Ah ben si. Oh, j'ai... Oh ! Attends, c'est ça le péché capital que je vais devoir affronter ? Parce que c'est déjà bien la 3e fois qu'on le voit depuis tout à l'heure, hein. À un moment donné, je me dis, c'est peut-être du teasing de boss, ça va être notre prochain boss, tu vois. Oh là là, ça va être un combat épique. Clairement. Il est gigantesque. Ah ouais. Voilà, il doit y avoir un secret.
Comment faire pour aller jusque là? Sans tomber. Et si je tombe, je tombe où en fait? Ah non, le passage qu'on vient de voir tout à l'heure, d'accord. Ah putain, mais je me suis cogné là. J'étais trop près du mur, j'ai dû me cogner sur la... espèce de poutre. Ah c'est mal. Ah oui, c'était là qu'il y avait les armes, ouais. Ah c'est malin ça. Je suis trop bas pour pouvoir attraper ça. Ah non, c'était pas par là. Hop là! Ah, des guêpes. Ah putain, mais elles explosent, il y en a derrière moi, il y en a derrière moi, c'est pour ça. C'est là que ça pète, derrière moi. Il y en a encore? Non, c'est bon. Artifact angélique, ça c'est bien. Améliorer une nouvelle fois mon arme. Ça continue. La tête de mort bleue, elle est par là. Je sais pas, franchement, je suis tout perdu là. S'il y a des drapeaux, j'arrive dans une zone. Oh gros. Hein. Ouh, il y a eu. Trop de dégâts. Transforme-toi, putain. Mais je peux plus bouger, là. Oh, j'étais coincé comme je sais pas quoi. Toi, c'est ça que je trouve le plus bizarre dans le jeu, en fait. Parce que vraiment, c'est... c'est assez surprenant venant d'un Darksiders, alors que les deux précédents étaient super faciles. Et là, tu te fais mais défoncer la tronche en... oh, même pas deux secondes, quoi. Ouf. Ah bah, retour ici. Encore ici. Très bien. J'ai vraiment pas l'impression d'avancer, en fait, franchement, j'ai plus l'impression de tourner en rond qu'autre chose. Ah bah, ah oui, c'est vrai, hop. Ah d'accord, il y a des ennemis. Mais c'est pas grave. Putain, peut-être traviole. Ah oui, il me cherche en plus. D'accord, je... peut-être me les faire avant d'aller voir le gros, parce que sinon j'ai tous me les taper en même temps. Hein. Quoique, ils vont peut-être me défoncer avant en plus. Il va déjà falloir que je reprenne de la vie. Ok. Mais non, pourquoi est-ce que tu vas lock... putain, le lock lock le gros qui est juste devant, pourquoi est-ce que tu lock le petit con qui est juste de l'autre côté de la salle? Ça ne va pas, ça. J'ai pas le temps de le tuer. Putain. Il a bien le temps de me défoncer la tronche. Ok.
Et lui, il faut que je l'élimine. C'est lui qui fait pop les ennemis, là. C'est un magicien, un summoner, là. Comme ça qu'on dit. Il fait pop les ennemis. Ah, mais je reviens de ce côté-là. C'est le truc que je vous disais tout à l'heure. Ah, oh, ben c'est bon, on va pas y retourner. Ah ouais? Oula. Putain, il faut que je l'affronte. Ah, réellement en plus. Ah, très bien. Là, je m'en doutais. On souvent des attaques comme ça, ce genre d'ennemi là. C'est pas possible. Comment est-ce que je fais là? Les yeux. Ah, il m'a tué. Il faut peut-être que je lui envoie mon boomerang dans les yeux, non? Ce serait peut-être pas ça? Ce serait une bonne idée. Ah ouais, il faut carrément se le faire. Ah, je recommence encore ici. Et du coup, le raccourci, il était où alors? Ah non. Oh, les vlaves. Esquive pour une fois. Attention, il y a l'autre là. J'ai la flèche. Putain, la flèche il m'attaque. Putain, non, je vais mourir. Pas de sérieux. Trois ennemis, c'est la galère. C'est pas possible. Le système d'esquive, il est. Bah, voilà quoi. Franchement, j'ai jamais y arrivé. Vraiment. Ça va être comme ça tout le long du jeu, clairement. Mais bon. Mais non, je ne changerai pas ce que je disais au tout début. Maintenant qu'il y a la mise à jour, non, je ne changerai pas le gameplay. On va garder le gameplay comme ça, hein. Le jeu il a été fait comme ça, c'est le gameplay d'Darksiders 3, après c'est tout. Je vais pas changer le gameplay pour un gameplay plus proche de Darksiders 1 ou 2. Mais où il était le passage? Il était en haut. Ouais, il était en haut forcément. Mais où? Non, il était pas là. Non, il est pas là. Oh putain! Sérieux, l'ennemi qui m'attend là. En plus, il me tape dessus direct. Bah, je sais pas. Le gros il a pop, le gros il a ripop. Cool. Ouais, bien sûr. Ah ouais, mais. Quand même regarder. Bah non, c'est ça, il faut descendre. Donc c'est un raccourci, mais c'est pas vraiment, c'est pas un raccourci vers Vulgrim en fait. C'est un raccourci vers je sais pas où. Bon allez, allons-y. Allons-y.
Alors, à part lui foutre mon boomerang dans les yeux. Bah oui, voilà, comme ça. Bah, c'est ça. On me dit ce qu'il faut faire, en fait. Boomerang dans les yeux. Putain, il saute. C'est nul. Ok. Voilà, il faut lui péter tes 4 yeux en même temps. Bah c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Oh putain. Ah, il fallait partir sûrement. Oh là là. Me prendre. Ah oui, c'est vrai, je peux locker les 4. Et après, je m'en vais. Salut, ciao, bye bye. Oui, sois bien. Et il a vu le Grimm. Était-ce l'un des 7? Peut-être. L'un d'eux aurait pu changer depuis notre dernière rencontre. Ah bah, il fallait peut-être l'affronter alors si c'était l'un des 7, non? Ceci sera très divertissant, comme vous voulez. Je sais pas assez d'âme pour reprendre un niveau, mais je suppose que j'ai encore des trucs à non plus finir, bah oui, hein. Niveau 25. Alors, je sais pas du tout combien il y a de niveaux. Enfin, quoique, si dans la mise à jour, il parlait... parler d'un niveau 200. Alors je sais pas si c'est le niveau du personnage ou si c'est autre chose. Putain, mais la tête de mort, elle est verte, elle est verte, elle est rose maintenant. Mais après la verte, la bleue, la blanche là. Je suis en train de me perdre totalement. Pourquoi c'est humble ? Ceci sera très divertissant. Ah, j'ai que 5000, je pensais qu'il y en avait quand même plus que ça. Hein. Il y a un bug d'affichage là parce que ouais. Il y a un bug d'affichage, hein, mon gars. Montre-moi ta marchandise, bon, peu importe. Non, ça va encore être la même chose. 5 niveaux, alors. Bah écoute, allez. 1. 2. 3. Ah, j'ai gagné encore un trophée, très bien. 4. Et 5. Parfait. Souffrir, cavalier. Parfait. Bon, je vais en rester là pour cet épisode sur YouTube. Parce que je ne sais plus du tout au niveau du chrono à combien j'en suis, mais je pense que ça doit être aux alentours d'une durée normale d'un épisode. Enfin, normale à peu près. Hein. Une durée habituelle, voilà, on va dire ça, d'un épisode. Donc je vais en rester là pour cet épisode sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je suis en train de me demander est-ce que je continue ou pas. Ouais, allez, je vais encore un peu continuer. Parce que franchement, à la vitesse où je vais, je crois que j'arriverai jamais à finir avant Noël. J'avance pas. Ah là, il y a un truc à activer là. Un raccourci, tu vas voir. Ouais. Ok. Bon, on va vite faire ça. Voilà. Et ça me réactive tout à l'heure. Plus vous étiez ici. Ah oui, d'accord. Ok, bon, peu importe. Ben voilà, je vais en rester là pour
cet épisode donc sur YouTube, c'était l'épisode je ne sais plus combien, 11, 12, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Bah, peu importe. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé, on se dit à très bientôt, à la prochaine, pour la suite de notre aventure sur Darksiders 3.